dit quoi, laissez Nico là. Laissez Nico, monsieur. Jimmy, monsieur, excusez, monsieur. Pourquoi vous mettez? Madame, madame, excusez-nous, s'il vous plaît. Madame, débarrez nous. Hey, journaliste, allez, avancez toujours, prenez votre machine. Avancez. Avancez. Avancez toujours, Jimmy. On a les poids. Dis-nous qui sommes. Attention, monsieur. C'est nous, les policiers, les deux hommes là, c'est de voir tous les citoyens pour le répondre à la justice pays. Mais nous connaissons, il y a des moments où nous pas senti que c'est la justice qui le fait. C'est qu'un bagage politique qui a prévu. Mais nous-mêmes, Reginald Boulos, nous citoyens responsables, nous pas senti dans la loi. Quel que soit ça nous gagne, nous pas gagner à cacher. Et je suis capable de dire que nous répondons à toutes questions enquêteurs ont gagné. Et nous disons nous disposons de tourner n'importe qui l'a voulu pour nous répondre à des questions. Il y a un local qui l'a MTV Haïti qui fait que nous sautons. Parce que dans le système crasé sous pesé sous ses, qui a porté la misère, l'insécurité, il y a des gens qui parlent de changement. Et lorsque son original Boulos cap dit un autre calcul, il fait encore pipe. Mais moi-même, m'a dit nous, quatre piliers nous, qui c'est femme, jeunesse, diaspora, paysannerie, c'est gros force pays, n'a continué de construire MDV Haïti, n'a continué de faire l'autre calcul pour être capable de changer. Système ça. Tout document est correct et pas d'aucune irrégularité. Moi, je réponds à toutes questions. Moi, réponds, moi, bah, tout ça, je demande là. Bonjour, bien là, c'est sous combien de points audition ça a été déroulé. Haïti moderne, que nous avons espéré gagner. Pas gagner, qui a fait décourager dans le fait. Pour le moment, je n'ai pas l'autre invitation, mais je suis disposé. Disposé n'importe qui l'est. Pour aller, pour nous répondre. C'est sous combien de points vous disposez de l'audition? Nous n'avons pas de détails. Enquêteurs ont bien dit que l'audition est une audition secrète. Très bien. Nous n'avons pas de détails. Très bien. Mais nous-mêmes, nous avons continué dans l'idéal. Souveraineté nationale, unité nationale. Qui doit pas qu'on paie? Justice sociale. Construction richesse pour le pays. Oui, on va être là. Nous pas de jumper. Nous pas de jumper. Mettez-le la tête, mettez-le la main.
nationale. Unité nationale. Ça, pas belle pour machine à bout de ça. 2022. Pas belle pour machine à bout de ça. Mes journalistes, Dr Boulos a fait une deuxième déclaration en bas avec tout militant, tout le monde vient accompagner. Vous avez souhaité que nous l'appuyons. En bas, 10 mai, on a commencé 18 du matin, depuis le matin là, et on a continué de dire jusqu'à ce que Dr Reginald Boulos sorte. Persécution politique. Moi-même, Fenné Sirius, comme monde membre MTV Haïti, je pense que c'est inacceptable, inabordable pour nous pouvoir. Qui a fait donc pour nos pouvoirs politiques pour le fait que MTV Haïti prend position pour 7 février 2021, mais pour seulement ça, pour nous instigateur parti qui c'est président, docteur, président parti, docteur Reginald Boulos, pour nous obliger à entrer dans la dynamique pour inviter dans l'ULCC pour l'albaï des informations qui est toujours bail depuis des années. Docteur Reginald Boulos, c'est un citoyen honnête. C'est un monde, un entrepreneur qui employait des milliers de monde dans le pays d'Haïti, emploi direct et indirect. Ça veut dire qui ça? C'est un monde honnête, un homme d'affaires honnête qui était participé par nos élections, un président dictateur actuellement là, qui est dans le pays, qui doué par le pays à 7 février 2021, qui dit tête-li, donc li bon revanche d'ap tirer. Mais revanche n'a pas même atterri son rien. Son revanche gratuit parce que nous ne comprenons pas ce que fait journée aujourd'hui. Il y a un pile monde qui fait prêt, il y a un pile monde qui participe dans la dilapidation de Petro-Caribé. Et puis je dis, il ne pas interpeller les gens, ils sont citoyens honnêtes qui toujours payent les taxes régulièrement, ils font une invitation dans l'ULCC. Nous pensons ça inacceptable et nous pensons, en tant que membre MTV Haïti, qui fait partie du directeur parti, en tant que monde citoyen haïtien qui issu d'un parti politique qui symbolise l'alternative politique en Haïti, nous pensons que faut bon réponse qui baille. Réponse qui baille là, c'est pas crasé brisé. Son réponse claire, citoyenne, côté président par MTV Haïti vini dans l'ULCC. Même ça dès qu'on fait dans la presse pour dire mais taxe payé par exemple 2018 18 millions de dollars américains taxes qui paye l'État haïtien. En plus tout ticket qu'on paye régulièrement au NA par rapport avec placement de voté. Donc il vient dire même bagarre qu'on dit dans la presse aujourd'hui dans l'ULCC. Donc je dis à nous clair, nous restons vigilants, nous restons veillatifs parce que j'en toujours dit le pouvoir pour aller 7 février 2021, pas gagner à sortir de là. Merci. Aujourd'hui, c'est audition dans l'ULCC. M. Reginald Boulos, même dans MTV, qui j'en ai demain ça? Bon, première ça que nous devons souligner, c'est que Dr Boulos n'a pas hésité à aucun moment pour que lui réponde à. Et invitation ULCCA, soit enquête administrative, nous croyons que lui-même lui parie pour répondre à toutes questions, lui-même accompagné de avocat, M. Samuel Madistin. Je dis non tweet, lui va gagner rien pour que lui reproche, et nous croyons que ce soit à travers des interviews que le compte, ou bien à chaque fois que lui interpellé sous question, il expliquait que, et raison placement, il expliquait que comment qui fait que lui c'est un bon placement. Pour l'État haïtien. Mais surtout, ça que nous devons souligner, c'est que nous respectons de la loi et des institutions de la République. Nous pas gain du tout pour que nous intimider et enquêteur ULCCO. Et nous, là, en signe de solidarité avec le président Patia, nous croyons que le travail ULCCO a fait, c'est pour nous saluer, c'est pour nous encourager. Seulement, nous devons, la vigilance citoyenne, lui doit permettre que nous demandions que ce n'est pas seulement des opposants politiques
que yo convoqué, faut que yo convoqué tout le monde qui impliqué non façon ou non l'autre dans dilapider fonds publics, dans malversation administration publique là, tout le monde qui gagne des avérés ou des soupçons de corruption que yo étendre à tout le monde. Et ben c'est comme ça ULCC a privé jouer rôle lié tout bon vrai pour que nan on lutte effective contre la corruption. En plus l'observateur pense que c'est une démarche qui est capable de gagner une couleur politique parce que les visés opposants aux politiques et gouvernement ou bien régime dans qui genre MTV qualifié et démarche ça. Donc nous pas ouais clairement couleur politique là-dedans. Et mais nous gagnons des informations qui viennent joindre nous, gagnons de monde qui alerte nous sous de cas, nous pas ignorer ça, mais tout nous vivons au moment côté que gon dictature qui a mis en place au fur et à mesure par un président qui croit jodi a li se mette seigneur et de la République. Nous est à qui diligence que la justice li agit dans cas Vobla, alors que dans cas dilapidateur font Petro-Caribéo dossier ça l'a traîné devant la justice. Nous souhaitons que ce soit ULCC, que ce soit le parquet, l'UCREF, l'inspection générale des finances, gain diligence qui mettait sous tout cas parce que jodi a corruption son cancer pour pays a l'argent l'état qui a fait mauvais route, li c'est un gros obstacle pour développement dans pays a l'argent perdu sous frontière, l'argent projet qui détourné, l'argent l'état qui a mal utilisé, gaz, carte téléphone qui a mal distribué. Donc jodi a nous mérité gain un signal qui voye. Nous sûr que signal là pas ka voye avec administration ça parce que administration ça pas ka impliqué non poursuite et de tout monde qui impliqué dans mauvaise gestion dans l'état. Nous pas quoi que gain capacité ça et président pas jamais montré que il gain assez de recul, il capable prendre hauteur pour que il quitte la justice effectivement fait travail. Mais c'est que n'a souhaité jodi a que pas gagner aucune implication, pas gain main politique derrière ça qu'a fait là. Si c'est une enquête administrative, tout bon vrai et nous-mêmes nous n'a toujours répondre et sereinement, mais si toutefois il y a intimidation, gain yo veulent convertir li en persécution politique, la vigilance citoyenne a répondre proportionnellement. Les convocations Yuri La Tortue avec les convocations Chesnel Pierre, là nous avons eu une grosse mobilisation dans l'ULC. C'est ça qui explique le CELI de MTVA pas gagné mobilisation. Ça. Donc, mobilisation, elle est automatique, tout comme tout, elle est capable de planifier. Docteur Boulos recevoir en pile et soutien, en pile solidarité dans le moment ça. Mais nous avons une discipline de parti, nous avons des gens que nous comprenons et barayo qui est différent de plusieurs autres mondes, mais nous pas dit que une ou l'autre méthode c'est l'équipe bon. Donc ça veut dire nous pas mobiliser monde. Même nous mobiliser automatiquement, émotionnellement, naturellement. Non, il y a des gens qui accompagnent. Quatre partis là, moi-même comme secrétaire général, vice-président en charge unité de réflexion stratégique parti là, instant coordonnateur national là, différents monde qui gagne responsabilité dans parti là. Gain des sympathisants qui la tout. On pas croire que c'est grande foule là qui va le faire que qui va faire que docteur Boulos li qui vient répondre question yo. Li techniquement très bien et préparé, j'en dis là, li pas gain rien pour le reprocher, li croit que son dossier côté ULCC besoin des explications. Li la paye toute explication, le marché avec tout le document. À quel titre tu parles avant? Secrétaire général MTV Haïti. Merci Choul, c'est petit casse. Arrêtez à genoux, c'est vous la police.
arrêtez à genoux, c'est la police, arrêtez à genoux, si moi la police, arrêtez à genoux, moi la police, arrêtez à genoux, moi la police, arrêtez à genoux. Je vais aller voir le monde. Je dis à cette personne, on prend la rue là.
nous pas gêner, non, c'est mauvais Seigneur. Nous pas gêner, non, c'est mauvais Seigneur. C'est pas gêner, non, c'est mauvais Seigneur.